souvent tendance à rester sur nos acquis. Il éprouve un certain plaisir coupable à ne pas sortir de sa zone de confort, à ne pas explorer, à ne pas aller vers l'inconnu. L'inconnu, ça nous effraie parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais j'arrive à un stade de ma vie où j'ai besoin de rencontrer ce que je ne connais pas. Besoin de challenger mon existence, de découvrir de nouveaux horizons. Je m'appelle Maxime Biaggi et je m'apprête à réaliser le défi le plus difficile de ma vie. Avec Elian, on s'apprête à réaliser un défi impossible. On va passer les 20 prochaines heures dans un hôtel haut de gamme. Le but, c'est de tenir jusqu'à demain midi. Ça va être dur, ça va être éprouvant. On sait pas si on va tenir jusqu'au bout. Mais pour la vidéo, pour YouTube, on va essayer de le faire. C'est tout de suite. Ok, ok. On va y aller, de toute façon, ça va pas être simple. Mais c'est le moment où faut qu'on y aille et qu'on arrive à tenir le coup. Faut qu'on tienne. Parce que c'est le moment où on va découvrir le lieu où on va devoir rester et tout. Déverrouille la chambre. Ça y est, ça va déverrouiller. Je suis un peu nerveux. Attends, je vais allumer. Ok, oh là. Oh putain, merde. Les dingueries sont dingueries. Ah ouais, c'est chaud. La place que ça prend. Ah ouais, dinguerie. Oh la dinguerie. Regardez, je sais pas si vous voyez là. Des noix de cajou, je sais pas trop ce que c'est. Ça va jusqu'à là-bas. Hein. Ouais, ça va jusqu'à là-bas, mec. Carrément, il y a un petit. Non, mais là, t'as un ballon. Il y a un ballon avec un cœur. Oh. Ok, bon. Wow, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi? Vas-y, fais. Reste appuyé, tu vas voir. Ah ouais, non, mais laisse tomber. C'est le genre de truc, tu vas rester coincé, tu sais plus comment ça marche. Là, j'ai un gros problème, c'est qu'on va avoir les chiottes. Et j'ai très très peur de ce que je vais voir. Oh là 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 là. Non, mais je mets pas mon cul là-dessus. Ah, je ne fais pas là, je ne fais pas là. Je pense qu'en vrai, on abuse un peu parce qu'il y a moins de tenir. La nuit, il y a moyen, mais... Parce que 10 heures, c'est tu passes la nuit, tu fais jusqu'à demain matin, il y a moins de tenir. Le but de la chaîne aussi maintenant, c'est ça, c'est tester des trucs un peu insolites. De voir jusqu'à où le corps humain peut aller. Vas-y, on va se poser un peu, on va laisser ses affaires, on se reprend juste après. Ok, du coup, ça fait quoi? Une demi-heure? Au moins. Lian, il a eu un peu un moment de... Un petit moment de flottement. Un petit moment de flottement où il était pas très très bien. On est tombé sur un truc, vous allez péter votre câble. Bon, ça coûte 12 euros, c'est noix de cajou grillée, salée à la truffe. Oh, non, mais autant vous dire que ça, on va pas toucher, c'est déjà assez dur comme ça. Ouais, c'est déjà compliqué, j'ai pas envie de... Donc, on va pas non plus rajouter des problèmes. Comment ça devenir dur, là? La truffe. On sent bien la truffe. Mais le problème, c'est quoi? C'est un boulot, quoi. Je commence à mal me sentir. Ah putain, Elian, il sent mal. On va cut. Je les cut. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ok, ok, reste avec moi. Ça fait que 2 heures. Frère. Ça fait que 2 heures, on doit tenir encore. Frère, je m'endors le lit. Tiens, il tient pas debout, le gars. Tiens, mon gars, faut que je sois à la tête. Va dans la salle de bain. Vas-y, mets-toi un peu d'eau. Il y arrive plus, les gars. Regardez-le. Ah non, mais c'est du marbre. C'est du marbre, derrière. Respire, ça va faire. C'est tout blanc. Il est en train de voir la lumière. Ah, il y a des gaz. Oh non, non. Mec, t'as fait l'armée quand même. Justement, j'entends les bruits de balles. Mais c'est pas de l'eau du robinet, ça. Elle est micro-filtrée sur place. Oh, putain, c'est de l'eau filtrée. Ça fait 3 heures qu'on est là. 3 heures? 3 heures. Par contre, mec, là, faut vraiment que je... Faut qu'on cut la truc. Attends. Cut la vidéo. Vas-y, je cut. Ça, Madros, tu peux cut, là. Ouais, vas-y. Vas-y, pose-toi tranquille. Ouais, d'accord, carrément. Oh non, c'est une dinguerie là. Les effets secondaires là. On fait énormément de peine pour lui. Ça va, mec? Ça va et toi? Ouais, moi ça va. Et toi, ça va? Je suis un peu mal. Je suis pas encore adapté à l'environnement. Ok, les amis, ça fait un peu plus de 3 heures qu'on est là, je vais vous montrer. On est arrivé vers 17h et vous me connaissez, je suis joueur. Et c'est vrai que on veut pas fake la vidéo. Et là, c'est vrai que ça fait à peu près 20 minutes avec Elian où on arrive un peu à s'acclimater. Et donc, on voulait pas que ça sombre dans une vidéo où ben, c'est juste un truc trop facile. Donc, on a décidé d'aller au spa. On s'est dit, on va tenter, on va aller au spa. Et du coup, en plus, demain matin, il y a le massage. Mais voilà, ça on verra. Donc, c'est parti, on va aller au spa, on va vous montrer ça. On va aller au bout du truc. On a dit qu'on faisait, on le fait, on a qu'une parole. On a qu'une parole, les gars, on a dit qu'on y allait. J'appréhende un peu le perso, le spa. Tac, de ouf. On va aller montrer un peu ta bite là, aujourd'hui. Pour qu'il voit un peu. Allez. Parce que pas le choix, finalement. Mmh. Ah, t'en as une pourrie, regarde, elle est cool. Non, 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 non. Comme j'ai la haine. Envoie une photo à la police. Ah non, c'est mort. L'eau, elle est beaucoup trop à température ambiante. On y va. Tiens, on y va. Ça va? J'ai un peu froid. L'eau, tu sais, il y a des petits remous, ça fait mal au dos. Les petits remous. Je crois que je suis allergique au bain. Ah mais là, mais mec, t'es dans la merde là. Ouais, je pense qu'il faut aller au sauna. Ouais. Les gars, c'est un enfer. Premier degré, c'est un enfer.
Et allez. Oh là là. Ouah mec. C'est pas ça qu'il faut faire? Non, c'est pas ça, mec. Mec, t'as mis trop là. Non, on met pas tout le saut. On met pas tout le saut, j'en peux plus. Je suis en train de mourir. On met tout le saut. Non, mais pas tout le saut. Si, on met tout le saut. Putain, je commence à avoir chaud. C'est gentil, coucou, sur messieurs. Les orties, sont quoi, sur messieurs, je vais faire. Où t'as ça? Faut qu'on vient. Maman. Ils sont venus, oui. Je suis là. Faut faire la douche froide, mec. Ça tombe d'un coup, ça tombe d'un coup. Oui, bonsoir. Je vous appelle pour passer une commande, s'il vous plaît. Donc, une assiette de fromage, une assiette de charcuterie et une pizza margarita, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Oh, mais comment on va manger tout ça? Non, mais frère, attends. Ça veut dire là, faut manger tout ça? Je pense que t'as pas tout vu, en fait. Dis pas qu'il y a un truc en dessous. Oh là 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 là. La pizza, le truc. Là, c'est trop, frère. Pour les abonnés, on va aller au bout, on va le faire, on va manger tout. Ouais. C'est dur, mais c'est maintenant, faut pas lâcher. Ok les gars, ok. Que je résume. Je me suis absenté là pendant 5 petites minutes, même pas. Genre vraiment, je reviens dans la chambre, il y a plus Maxime. Donc là, je commence un peu à paniquer. J'espère qu'il a pas craqué, qu'il a pas pété son câble. Et en fait, bah, je vais le chercher. Faut que je cherche Maxime parce que sinon il y a plus de challenge, il y a plus de Maxime, je sais pas. Oh, putain. Max. Non, tu vas te resserrer très vite et tu vas rentrer dans cet hôtel directement. Mec, allez, s'il te plaît. C'est dur, frérot, c'est trop dur. Regarde où on est, comme t'es, mec. Tu crois que ça me fait plaisir? Tu crois que moi, là, voir tout ça, là, tout ce qu'on fait, là, la journée. Tu te rends compte, la journée de merde qu'on est en train de passer? Ouais, je sais. Ouais. Tu vas te ressaisir très vite, très vite. Ok? Et on y retourne. Oh, allez, s'il te plaît. Vous abonnez, on va le faire. Exactement. Arrête. Non, mais non. Descends, s'il te plaît, Maxime. Ça va aller, mon gars. Les gars, je vous avais dit on vous montrait tout dans le vlog. Ben là, j'ai eu un moment de craquage où j'ai pas réussi à tenir tout simplement le challenge. C'est vrai que entre le moment où on a l'idée et le moment où on le réalise, ben on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça, qu'il y a des moments compliqués, des moments plus durs que d'autres. Et dans ces moments-là, qu'heureusement Elian il arrive à me soutenir et à me faire continuer. C'est pour le challenge, donc on n'a pas trop le choix. Ah oui, j'ai des moments de craquage comme tout le monde. Je suis un humain comme les autres. Mais me voilà de retour et le challenge continue, les gars. Il est 3h17 et on a fait la moitié. Le moment où on va faire le petit déj. Enfin, il reste beaucoup de choses. Le massage. Ça, courage, mon gars. Le massage à 11h du mat, ça va être compliqué. L'aventure continue, les gars. C'est parti. Eh oui, il fallait pas perdre le quiz. Vas-y, j'en ouvre une déjà. Le challenge continue, les gars, comme vous pouvez le voir. Là, c'est dur. Là, c'est compliqué. Champagne. Champagne, les potes. Champagne, les gars. C'est pas les boissons, ça, mec. Ouais, là. Pas le choix. La dernière. T'es pas comment réagir, tu vois. Attends, je te coupe 2 secondes, j'en ai plus déjà. Oh putain. C'est le challenge, les gars. Je comprends pas pourquoi. Mais resserre-nous une coupette. Mec, tu fais quoi?
désolé, mais c'est pas pour moi. Il est 9h du mat, on a même pas dormi. Viens, rentre chez toi. Et je continue la nuit sur ton canapé. Bah, vas-y, on prend le piège continental, je sais pas quoi, les trucs comme ça là. On... Avec tous les ingrédients là. Exactement. Ah ouais, putain, ok, vas-y. Tiens, les gars, là c'est la merde. Là c'est la merde. 10h42. 10h42, on a à peine pris le petit déj. On est en retard. Et toi, tu pars te faire masser. Je dois faire le massage dans 20 minutes. Même pas. À 11h. Dans 17 minutes. Ah, ça confondre la montre. Si tu te réveilles et t'as la pression pour aller faire masser. À bout de foot. Ça rend dingue, ça rend dingue. C'est l'heure de partir, ça y est, regarde. Regarde tout ce qu'on a laissé. On n'a même pas mangé le fromage de chèvre. Non, on n'a même pas mangé le fromage de chèvre. Même pas, j'épouche. Ah non, mec, on peut pas laisser. C'est du gaspillage alimentaire. Gros gourmand, je tape au moins un gros, on ferait pas laisser ça. Ça c'est pas. Oh, comment gourage pas, sinon. Oh, oh. Vas-y, vas-y, non. Ah. Ah. Tiens, mec. Oh. Ah. Ah. Il est pas bon du tout. La femme de la chambre va voir ça. Elle va dire ses enculés, on n'a pas gros. Ok les gars, j'arrive. Je vais me faire ramasser. Pas le temps de finir le petit déj. C'est bon, casser la fond et tout, du coup le crâne est pété. Il y a un royaume ou quoi là. Les potes, je suis dans ce couloir, il y a Maxime qui est en train de se faire masser là, j'espère vraiment que ça se passe bien pour lui. On l'a. Mec, viens. Ouais. Comment ça va? Comment tu te sens? Ouais. C'est un ton ton ressenti toi là, t'es. Ouais, les gars. Mais vas-y, c'est bon. Une journée. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Il vient d'enchaîner une heure de massage. Mec, je suis tout huile, tu parles de frites? Ouais, non. Pourquoi mettre de l'huile comme ça dessus? Non, je sais, frère. Viens, je prends ton verre d'eau là. Ok, vas-y, viens, on se casse. Dans la salle. Ah ouais. C'est moi tout le temps, quand tu sens des odeurs passer. C'est que c'est des esprits. Esprits qui passent. Qu'est-ce qui passe là, voilà. Les amis, ça y est. Il est 13h, on a un peu dépassé. On a réussi le défi. Et c'était pas simple. Bah, on va rentrer à la maison, quoi. Ouais, on va rentrer dans. Le beurre. On est bien content que ce soit fini, pas vrai, mon gars? Ouais, vraiment. Ouais. J'ai récupéré la cam.